Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la circulation sanguine dans le cœur. Pour commencer, nous allons donner une brève définition du cœur. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur est un organe creux et musculaire, appelé aussi myocarde. Il est formé de deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Ces deux côtés sont séparés par une cloison qui les empêche de communiquer entre eux. Le côté droit, ici représenté en bleu, contient du sang appauvri en dioxygène. Tandis que le côté gauche, représenté en rose, contient du sang riche en dioxygène. Du côté droit, le sang arrive dans le cœur à travers deux grandes veines appelées veines caves supérieures et inférieures. Le sang arrive dans l'oreillette droite. Ensuite, les valves auriculo-ventriculaires vont s'ouvrir pour que le sang riche en CO2 puisse passer vers le ventricule droit. Une fois arrivé au ventricule droit, les valves pulmonaires, qui sont situées entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, vont s'ouvrir pour envoyer le sang vers les poumons à travers une grande artère, qui est appelée artère pulmonaire. Du côté gauche, le sang riche en O2 arrive cette fois-ci des poumons à travers les veines pulmonaires. Le sang arrive dans l'oreillette gauche. Ensuite, les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent et laissent passer le sang dans le ventricule gauche. Après ça, les valvules aortiques s'ouvrent pour que le sang soit éjecté vers tous les organes à travers l'artère aorte. Maintenant, nous allons récapituler le circuit que fait le sang dans le cœur. D'abord, le sang arrive au niveau de l'oreillette droite, passe dans le ventricule droit et après est expulsé vers l'artère pulmonaire. Le sang va être riche en O2 au niveau des poumons. Il va ensuite revenir par les veines pulmonaires. Il passe de l'oreillette gauche au ventricule gauche et va être expulsé vers l'aorte. Après, le sang va en direction de tous les organes. Maintenant, nous allons voir l'origine du bruit du cœur. Merci pour votre attention et on espère que cette vidéo vous aura plu.